bonjour. On est aujourd'hui dans une vidéo où j'ai oublié d'emmener le truc pour tenir l'appareil photo. Du coup, ça va être tenu à la main. Et on se rend aujourd'hui, non pas dans un restaurant, mais... Comment? On n'est pas seul, on est quatre. Vas-y, comment ça s'appelle? Le 12h des MotoGP. Le 12h des MotoGP, c'est pas trop long comme titre. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a emmené nos motos privées. C'est laquelle la tienne déjà, Vincent? Les deux. Ces deux-là? Ouais, elles sont pas mal. Et comme vous pouvez le voir, on sera pas du tout emmerdé par les bruits des motos qui tournent sur le circuit parce que ça se passe sur un circuit de F1. Vous savez, quand vous étiez gosse et vous regardiez les vidéos de Formule 1 qui se déroulaient en France, bah c'était ici, à Manicou. C'est vraiment super pour faire des vidéos, ce genre d'ambiance sonore. Avec tout ce vent, le micro va adorer. Je vais m'amuser à sous-titrer tout ce que je dis. Pas lourde. Voilà. Et on est avec Vincent. Pas du tout. La musique est trop forte, c'est très chiant la musique forte. Je leur avais envoyé un mail pour leur dire mettez la musique moins forte, j'arrive avec une caméra. Et regardez ce qu'ils ont mis. Oh, merci. Et ben voilà, suffit de demander. Maintenant vous pouvez remonter le son, c'est bon, je suis sympa, c'est trop tard maintenant, vous avez niqué le début de la vidéo, de toute façon. Donc j'ai demandé quelques ajustements. C'est moi qui j'ai demandé à ce qu'ils installent ça. Regardez, il y a un circuit. Il y avait un petit circuit avec des motocross et je me suis dit trop bien, je vais faire de la moto, même si ça coûte 200 balles, je m'en fous, je suis un gamin. Et je vois quelqu'un qui revient et il dit non mais c'est bon, c'est de 6 à 14 ans. Alors faites pas ça. Mais c'est ça qui tu te... Ah. Par contre, j'ai bien envie de faire de l'autotamponneuse, mais j'aime pas ça. Oh, il y a des manèges. Mais moi ça m'excite trop les manèges. Ça t'excite les manèges, Manu? Ah ouais, trop. Mini Lexu? Oui. Ça t'excite les manèges? Oui. 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 J'ai trop envie de le faire, mais j'ai envie. Dites-le lui. Mais non, mais moi je veux faire du manège dans la bulle qui va dans l'eau. Et j'ai pas le droit de faire ça parce que j'ai grandi. Quand j'étais petit, mes parents ils voulaient pas me le payer. Mais moi je suis sûr, je passe easy là. Oui, mais toi, tu. Mes amis, j'ai recraqué. Ah, je suis un gamin, je sais. Voilà. Et après ça lance ça en fait, voilà, dès qu'on joue cette note, ACDC se lance. Vous voyez ça là-bas? C'est un peu dégueulasse, mais vous voyez cette colonne là? C'est de la pluie qui tombe! Alors que là, il fait quand même pas mal beau. Mais alors là-bas, moche, beau, moche, beau, moche. Mettez dans les commentaires, pluie ou pas pluie! Faut imaginer tout à l'heure, mais il y aura des motos. Du coup, elles vont faire... Tout ça. Mais ça arrive! Donc on peut bien voir, hein, ce sont des motos avec deux roues chacune. Ah, ils ont des guidons aussi, c'est ouf. Sauf celle-là, regardez, celle-là c'est une moto à quatre roues. C'est la moto de sécurité, on appelle ça une voiture dans le langage professionnel. Et là, regardez, vous allez voir, ils vont arriver, ils sont vénères. Attention, voilà le premier qui arrive, et le deuxième qui est juste derrière, c'est magnifique. Oh là là, oh là là, il y a plein de motos. Attends, la moto à quatre, qu'on appelle aussi voiture dans le jargon professionnel. Et qui d'ailleurs n'est pas très rapide, hein. Notre est toujours dernière, à chaque fois. Quant à la dalle. Et qu'il y a des churros. La bouffe passe avant les mecs. D'accord. Le Magic Dance, c'est un peu comme ta mère. Il y a interdiction de pénétrer. Il y a un truc qui est trop bien dans la Nièvre, c'est qu'en moins de 1 heure, on passe du grand soleil à de la grosse pluie dégueulasse. Regardez, je vous montre ça. Du coup, on vous tient au courant si la vidéo elle continue ou pas, mais... Pour l'instant, là, actuellement, on est sur un rythme de vidéo qui va pas être très bien. Hein. On est sur une vidéo qui va être moyen bof. Hein. Moyen bof. On a des lumières qui tiennent dans la bouche. Parce que ces verres sont étudiés pour. Moi, souvent, je fais comme ça en ville, ça passe très bien. Et toi? Ouais, moi aussi. Hein. Voilà, régulièrement. C'est étudié pour. Ah oui, tout à fait. Et du coup, t'as soif. Et tout le monde sait qu'entre la théorie et la pratique. Voilà. Ouais. Il faut foutre 50 balles là-dedans. Dans quoi? T'es sérieux, tu joues à ça, des jeux d'argent? Oui. Tu joues à des jeux d'argent, oui. Vincent? Mais t'es un malade mental. Oui. L'attraction que j'aime le moins dans les parcs d'attractions, c'est ça. Parce qu'à part se faire du mal, il n'y a aucun autre concept. Le seul faire du mal aux autres. Non, le seul concept de ce manège-là, c'est de se faire mal les uns les autres dans la douleur et la souffrance. Et moi, je suis quelqu'un qui est pour la paix dans le monde, le bonheur. Ça, c'est très bien, mais sauf que à part des claques-doigts au tir à la carabine, il n'y a rien à gagner. Et au final, l'attraction du bonheur, c'est quoi finalement? Un manège simple pour les enfants, avec 2-3 petits mouvements, calme, des décors attrayants, des musiques super bien pour les enfants. Après, il faudrait trouver un manège comme ça qui... voilà, mais j'en ai... Là, il n'y en a pas ici, en tout cas. Et voici la vidéo. Voici cette
Eh bien, on va voir les motos là. J'ai vu la bière, maintenant je vois les motos, hein. On va voir les motos. Tu es dégueu. Ah, des motos! Des motos! Donc là, on va sur la tribune stand C. Elle est pas mal, parce que dessus, il y a le... Tu vas voir, attends, je te montre. Je te montre dans 5 secondes, d'accord? Tu regardes. Oh là là. Oh là là. C'est la tension, tu vois, c'est limite sexuelle comme tension. Regarde, ce mec à le drapeau, il gère tout là, tu vois. C'est lui qui a toute la tension sur les épaules. Là, il a 29 mecs qui vont les rouler dessus s'il baisse le drapeau trop tard. L'étape, on va attendre 2 minutes avant de devoir revenir. Du coup, je propose qu'on comble ces 2 minutes en faisant des blagues. Vincent, t'as pas une blague à nous faire? Alors, c'était de la merde. Fanny, t'as pas une blague? Je vois pas du tout l'intérêt d'être pote avec eux. Là, on est vraiment sur les paddocks avec toutes les teams. Hein. Ça, c'est la team. Là, on voit bien la team. C'est la team. Là, c'est la team. Et là, c'est la team. Je sais pas. J'en sais rien. On va attendre qu'ils reviennent. Vous allez voir que ça va être beaucoup d'attente pour pas grand chose. Allez, mettez dans les commentaires la couleur de la prochaine moto qui passe. Vous savez, à la télé, quand vous regardez les Formule 1, il y a des fois, ils lancent du champagne et tout à la fin des courses. On se dit, waouh, quel gâchis de champagne! Et bien, ça se déroule. Quand c'était à Nevers, il y a des années, il y a plus de 10 ans. Oula. Là-bas, tu vois là? Là? Et bien, c'est là que ça se déroulait. Voilà. Eh, sérieux, on dit que c'est dur de faire de la moto, mais c'est pas si compliqué de tourner en rond sur une route. Hein. Moi, je vous le fais dans le nez. Hein. Filez-moi une moto, magnifique. Moi, j'ai fait Formule 1 2011, 2012, 2013, 2014. Et je les ai terminés. Tu me mets sur une moto avec un clavier et une souris, moi je te déglingue tout, hein. Vous voyez qu'ils vendent aussi des tickets propres? Un pouce bleu, abonnez-vous et faites des dons. Ticket propre, et ça va pas. C'est drôle parce que sale et propre, c'est... Tu... Voilà. Si quelqu'un comprend ce message, je pisse sur les twin poussifs. Qui m'explique en commentaire, s'il vous plaît? Là, il y a ton médecin traitant qui a fait un tag. Du coup, on n'a pas très bien compris ce qu'il a dit, mais apparemment, il prescrit 2 Doliprane matin et soir pendant 2 jours. Oh, la belle démonstration de S réussie! Eh, le meilleur tag de la Nièvre! Il a voulu commencer à faire une bite, mais il s'est fait choper avant la fin. Du coup, il n'y a que les couilles et le gland. Si j'ai bien compris le délire, en fait, là, il est 6h30 dans une demi-heure. Toutes les motos à 19h partent et ne s'arrêtent plus de rouler pendant 12h. Là, tu vas aux chiottes, hein. Tous les pilotes de départ dorment. Là, hein, tu vas aux chiottes, en fait. D'accord, bah au revoir. J'avais pas écouté, désolé. Bon bibi! Bah oui, comme c'est une course européenne, du coup, il y a forcément la Marseillaise. On a eu l'hymne de la joie juste avant, je vous l'ai pas mis, mais c'était pas si mal. Donc là, je vous laisse écouter la Marseillaise et chanter chez vous en chœur. Grosse ambiance dans le stade! Donc là, le plus intéressant va arriver, puisqu'il y a le concert qui va arriver, donc DJ. Je sais plus, j'oublie tout le temps son nom, gros. Style. DJ Style, merci. C'est ça, DJ Style. DJ Style. C'est très dégueulasse comme pseudo. Et donc ça va durer comme ça pendant 12 heures, ils vont tourner pendant 12 heures, les motos. Et surtout, ce qui va être sympa, c'est après le concert, on va venir faire un tour, on va les voir tourner de nuit. Mais ça risque d'être très très joli. Joule, il fait d'ananas, il fait d'orange. Joule d'orange, ah, c'est drôle, hein.